Salut à tous les amis, c'est Kiki et Simba et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Alien Isolation. Alors, bon, il semblerait qu'on ne touche pas tout à fait à la fin. Je suis peut-être un petit peu trompé. Alors, vous êtes gentils, la prochaine fois que je fais des estimations, vous me remettez à ma place. Non, parce que là, rien ne va plus, j'ai envie de vous dire, rien ne va plus. Du coup, nous allons enquêter dans le réacteur central comme il se doit, puisque sensiblement, le cœur d'Apollo nous a gentiment demandé d'aller nous faire foutre. Donc, nous allons enquêter. Mais ça fait rien. Ça fait rien parce que... parce que je sais pas trop, mais en tout cas, on a... Ok. J'ai cru que c'était la baffe de l'alien, là. Je me suis dit, attends, il m'a arnaqué, là. Salut les gars! Regardez comme il a l'air trop! Comme il me mate du genre... Qu'est-ce que tu fous là toi? T'es pas censé être là toi? Bon alors ça je sais pas mais ça a l'air cool donc je vais l'activer. Ok. Je sens que c'est un truc dont je vais avoir besoin plus tard alors je l'active tout de suite. Comme ça. Vous voyez ici on a un petit... Je peux pas l'activer ? Si. Un petit groupe électrogène. On va l'activer tout de suite. Même si je ne sais absolument pas ce que je dois en faire, c'est pas grave. On va tout activer. Tout. Oh ! Ah, ok. C'était juste pour activer ça pour que je puisse passer en fait. Oh, mais regardez. Mais même ça, c'est stylé. Ouais, bon, je m'emporte peut-être un peu vite. Mais. Je sais pas, moi je trouve ça classe. On va donner un petit coup de sauvegarde. On vient de commencer, mais sachez que ce n'est pas une raison pour négliger la sauvegarde. Il n'y a pas d'heure pour la sauvegarde. Comme le dit le dicton. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'il y a du gaz partout. Ce qui n'est pas impossible, mais en fait, vous voyez, on voit que la vision est un petit peu troublée par endroits. C'est du... Ouais, ok, j'en déduis qu'il n'y a pas de gaz, parce que sinon on aurait sûrement déjà explosé, mais... Il y a un effet de chaleur, peut-être qu'il fait chaud, alors en même temps on est vers les noyaux du réacteur, donc ça peut se comprendre. Est-ce que j'ai ma carte toujours? Ouais. Non, on va peut-être pas prendre le tuyau pour aller juste ici. Hein. Ouais, il m'aurait amené juste là en plus, donc c'était un peu inutile, mais... Ok, je peux rien ramasser, j'ai déjà tout. Non, ça c'est un panneau de reroutage. J'y touche pas vraiment maintenant au panneau de reroutage parce qu'en finalement je m'en sers pas plus que ça. Et munitions de pistolet, j'ai pas des pistolets. Je m'en sers pas tant que ça et bon voilà quoi. Ah! J'ai pas lu ce que c'était. Je crois que j'ai ramassé des blueprints de quelque chose mais j'ai pas lu ce que c'était. Tant pis. Ah putain, si j'en ai besoin des tuyaux en fait! Oh merde! Ah ouais, moi j'avance en toute impunité depuis tout à l'heure, mais en fait, il y a du monde. Eh merde. Oh, 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 oh. Ouais, on va peut-être rentrer dans le tuyau, en fait. Rentre dans le tuyau, Ripley. Oh putain, quelque chose ne va pas. Si, si, tout va bien, t'inquiète, t'inquiète, frère. Allez, dégage. Allez, laisse-moi avancer. Je suis pas sûr de ressortir beaucoup plus loin, mais... Ah, cela dit, ça a l'air plutôt utile. Bon, au pire, j'ai mon détecteur, mais on se remet au travail. Très bien, remets-toi au travail. C'est pour ça que t'as été programmé, gros. Alors, t'occupe pas de moi. Qu'est-ce qu'il y a, j'ai... Chalumeau d'oxydécoupage amélioré, bien entendu. On va pouvoir découper du... Des choses moins découpables. Parfait, ça. Bon. Alors là, attention, il va falloir la jouer fine. Ok, donc pas comme ça, en fait. Vous allez voir. Hashtag KikiPGM. Hashtag KikiPGM. Hashtag KikiPGM. Oh, bim, zéro détection. Merde, si. Non, ça va. Ouais, vite fait. Mais on peut dire on n'a pas vu parce que ça n'a pas duré longtemps. Ça compte pas. Voilà!
Donc du coup maintenant on peut découper ces panneaux là, ce qui est plutôt sympa, parce qu'en fait on ne pouvait pas avant. Il y a un mec juste à côté de moi, genre là, non. Tu fais des bruits bizarres, Ripley. Hey, Ripley, arrête ça. Hey, je me prends des bugnes. Non, mais putain, amène-toi. Arrête, arrête, arrête. Arrête, sois gentil, sois gentil. C'est pas gentil, ça. Ah, merde, j'ai... Martel, Martel. Non, mais qu'est-ce que tu fais, espèce de demeuré. Ok, on va peut-être essayer de... Genre, pas par là. Ok, bon, on est mort, je crois. Oh, la feinte. La feinte. La feinte. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Ah, je crois que ce ne serait pas parler trop vite de dire que on a eu chaud aux fesses. Ouais, mais on est blindé de medkit en plus. Alors attendez, on va se soigner parce que là. C'est bien beau les conneries, mais. Là. Là, j'ai joué gros. Vous voyez, quand je me suis bloqué dans le petit cul-de-sac, là, je m'étais dit, ah, je vais pas voir si j'ai des medkits parce qu'à tous les coups, j'en ai pas, donc ça sert à rien. En fait, j'en avais. Putain, j'ai failli mourir pour rien, là. Oh, mais allez, il y en a un directement là-bas. Bon, on va sauvegarder. On va sauvegarder parce que là, on est dans une zone quand même relativement dangereuse. Et je trouve qu'on avance plutôt vite. Il serait fort dommage de perdre cette progression aussi rapide. Je crois qu'il va me spotter direct, lui. Je sais pas où je dois aller, en plus. Ok, ouais, il m'a spoté là, hein. Je sais pas s'il m'a vu là. Non, je crois pas, hein. Il regarde dans ma direction, mais je suis pas sûr qu'il m'ait vu. Ouais, si, peut-être en fait. Si on tourne autour, vous croyez que. Eh non, il m'avait pas vu, hein. Allez. Hashtag KikiPGM. Non, mais je vous l'avais dit. Alors, cela dit, qu'est-ce que je dois faire? Trouver une issue pour sortir de l'atelier d'ingénierie. Eh ben. Ah oui, parce qu'en fait, que faites-vous ici? Quoi? Non, 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 mais moi je fais rien ici. Tu te mens à toi-même. Tu te... Attendez, j'ai pas de quoi. Ah non. Grenade aveuglante, je suis pas sûr. Cocktail Molotov. On va le faire brûler. Suppôt de Satan. Ville démon. Créature de Sixon. C'est pas Sixon synthétique, c'est Sixon maléfique. Je vais vous attraper, non mais putain, ça fait cher peur. Ah putain, regardez cette vision d'horreur, mon dieu. Heureusement. Allez, mais brûle. Sois gentil. Allez, mais depuis quand, là, le... T'es synthétique, le synthétique, ça brûle. T'as pas vu les articles de journaux, là, avec les enfants qui prennent feu, là? Ah bah voilà, d'accord. Exactement. Il est joli ce feu, hein. Ouais, bon, faut que j'arrête de m'extasier devant chaque truc du jeu. Non mais, franchement, cet effet de feu était de toute beauté. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Ah, attendez, est-ce qu'il est relié à quelque chose? Il semblerait que oui. Attendez, il y a un fil qui part ici. Voilà. Ah, niveau d'électricité trop faible. Ok, donc là, il va falloir que je reroute pas mal de choses, je pense. On va déjà aller jeter un coup d'œil ici. Là, il y a une petite... Niveau de sécurité trop élevé. Bah, et oh. Tenez, là, il y en a un autre. Ah. Si j'alimente celui-là, sûrement, je vais pouvoir alimenter l'autre. Qui va me permettre d'alimenter le groupe électrogène. Qui va me permettre de... je sais pas, de faire bouger quelque chose, sans doute. On va voir ça. Non, non. Est-ce que je peux activer lui, là, maintenant? Non, toujours pas. Ah, merde. J'ai dû en louper un quelque part. Sans doute ici, ouais, bien entendu. Voilà. Hop. Qu'est-ce qu'on a là? Des charges de taser. Bah, vous voyez, en fait, j'ai utilisé mes cocktails Molotov, mais le jeu aurait pu me donner de quoi qui casse le synthétique. Bon, ce qui est pas plus mal finalement, puisque les cocktails Molotov, je les utilise assez rarement, donc
Disons que ça m'a donné une bonne occasion, au moins j'ai une charge de taser pour plus tard. C'est pas plus mal. Je pense que vous n'êtes pas non plus contre quelques effets pyrotechniques, c'est toujours efficace. Ah, attendez, il y a une issue sous le... Oh, regardez la belle issue. J'ai pas du tout confiance en ce machin, hein. Je vous le dis tout de suite, mais... Ok, il semblerait que ce soit par là. Hein. Bon, bah allez, go. Il fait peur, ce conduit. On est dans un conduit, alors tout va bien, mais il fait peur quand même. Il est très large, ce conduit. Ok. Il y a des bruits un peu inquiétants, là. J'aime pas trop ça. Attendez, j'ai... Non mais, hé. Ok. Ok, j'ai cru en fait que je pouvais me relever, mais non. Et j'étais en train de me demander si j'avais pas Alzheimer au niveau des touches de jeu. Non mais je sais pas si vous avez remarqué, mais j'oublie toujours les touches dans les jeux, mais c'est un truc de malade. J'ai vraiment zéro mémoire. Wow, c'est beau. Hein. Oh là là, puis quand on met la lumière, c'est encore plus beau. Par là. Par là, par là, par là. Ok. Et il y a des points de sauvegarde à toutes les salles. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais là, le jeu... Il y a eu des phases carrément plus hardcore dans le jeu. Mais c'est ici qui décide de me mettre des points de sauvegarde toutes les 3 secondes. Bon, je vais pas me plaindre, hein, mais c'est vrai que... Il y a 2-3... Ah ouais, mais d'accord, je comprends. Il y a 2-3 phases où j'aurais préféré avoir un petit peu plus de... points de sauvegarde. Déverrouiller le store. Je suppose que c'est par là, le store. Oh, déverrouiller le store. Alors attendez, est-ce que c'est un store, genre un store qui me bloque la route, ou est-ce que c'est le store, genre... Genre truc avec des machins dedans et je vais pouvoir récupérer mes armes. Genre un store, Oh putain, je l'avais pas vu lui. Salut. Bon, vous voyez. Mon taser finalement. Non mais quoi. Mais tu te mens à toi-même là, non. T'étais pas censé faire ça, putain. Eh, hey, t'es un escroc, là. Ok, on va par là. Ouais, mais alors moi, je vais me faire défoncer. Oh, il s'est fait défoncer. Il m'a pas suivi. Ah, si. Ça peut provoquer des accidents. Oh, lance-flamme. Lance-flamme. Rends-moi mon lance-flamme. Non. Arrête, putain, non. S'il te plaît. Allez, 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 allez. Non. Merde. Hashtag Kiki PGM. Hashtag Kiki PGM. Zbr. Allez, dépêche-toi. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Bon, 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 bon. Attendez, 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 attendez. La bataille n'est pas perdue. La bataille n'est pas encore perdue, les petits amis. Regardez, si je me faufile rapidement... Il y avait une arme, là, sur le truc. J'ai pas rêvé. Voilà. Attendez, c'est quoi, ça? Ah, c'est pas un truc que j'ai... Un pistolet à... Oh! Oh, j'aime bien ça! C'est génial, ce machin! Confirme, tu vois, c'est génial, j'adore, j'adore. Ouais, je sais que t'es impressionné, Simba, mais enfin reste là quand même. Génial, un pistolet à clous. C'est le jeu, c'est typiquement le genre d'arme que je kiffe dans les jeux. Vous savez, c'est le genre de truc assez puissant, mais propre, vous voyez, pas d'éclaboussure, ça envoie juste un petit comme ça et parfait. 6-8-3-2, ok, 6-8-3-2 pour un code. Ah bah pour le store en fait, ok. 6-8-3-2, distribution de courant, je viens de chercher, fichier corrompu, et, ah bah, 6-8-3-2, code de sécurité du store, voilà, parfait, 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 et, on s'y retrouve petit à petit là, hein. Putain j'ai eu peur, on s'y retrouve,
Je trouve qu'on avance quand même relativement bien. ça me fait plaisir. Je sais pas où, mais ça me fait plaisir. Je trouve qu'on avance bien. Non, parce que je sais pas, ça aurait pu être le genre de passage où j'aurais recommencé 50 000 fois. Et en l'occurrence, je trouve qu'on est plutôt productif. C'est pas mal. Qu'est-ce qui se passe là? J'attends un ascenseur. Oui, on dirait. J'ai mon fidèle pistolet à clous maintenant. Alors, déconnez pas. Non, mais ça, je kiffe. Hein. Ça, fallait me donner ça dès le début. Hein. J'ai fait une formation dans un réacteur, et c'était dans une autre vie. Ok. Alors. C'est quoi, c'est des clous que j'ai ramassés? Non. Munitions de pistolet. Ah si? Oh! Pardon, excusez-moi, je m'extasie un peu vite, mais... Ah! Par le sol ou par le plafond. Sébastopol est un vrai gruyère, fait de conduits et de passages, de salles poussiéreuses où personne n'a mis les pieds depuis des lustres. Il pourrait être n'importe où. Ça doit être ça que les marshals ont pris en chasse. Ils auraient dû me mettre au courant. Chief, terminé. Ok, je crois qu'il parlait de l'alien. Je suis pas sûr, mais... Ça correspond plutôt... Oula, il y a un petit bug de... Petit bug d'animation. On va enregistrer. Et on va continuer. Là, Ah, je suis content, là, pour une fois. Non, mais, ça doit être le premier épisode en je ne sais combien d'épisodes, peut-être le premier, depuis le premier, d'ailleurs, où je ne suis pas frustré. C'est pas mal. Oh, regarde, ces effets de lumière. Oh là là. Où je ne suis pas. Rien. Il y a des androïdes, des systèmes de contrôle centraux, la routine habituelle. Il va falloir que j'explore l'étage inférieur. Il devrait y avoir un ascenseur dans le coin. Allez! What the fuck? Et ça, c'est dans la station, ça? Sérieux? Ah bah d'accord. Eh, attendez, non mais moi j'y vais au pistolet à clous maintenant, laisse tomber hein. Vas-y mon gars, j'ai pas peur de toi, viens. Courir peut provoquer des accidents, et venir devant ma gueule ça peut provoquer des accidents aussi. Oh le one shot, mais c'était sale. Oh c'était sale. Non mais... Oh, allez venez les gars. Il y a des clous pour tout le monde. Désactivation, allez, vous en demandez, allez, venez, chacun vient prendre son coup, il n'y a pas de problème, il y en a pour tout le monde, cette vengeance, totalement gratuite, totalement sale. Oh là là, hashtag KikiPGM, et en plus j'ai des recharges de pistolet. Cette vengeance totalement gratuite, putain. C'est fantastique. C'est génial. Alors là, là c'est génial. À tel point que j'en regarde absolument plus où aller. Donc on va quand même se recentrer un petit peu sur le... Oula. On va éviter de mourir électrifié comme ça, ce serait dommage. Est-ce que je peux activer cette console? Non, il faut que par là. On reste focus. C'est pas parce qu'on est bon là que faut perdre l'objectif de vue. Allez, on continue. Là, on avance bien là. Honnêtement, easy. Ça me fait peur quand même. Parce qu'en fait, je me dis, ça se trouve, c'est le genre de séquence faussement difficile. Et dans ce cas, what? Oh non! Oh, c'est pas vrai.
Bon, alors de 1, c'est trop stylé avec l'eau. De 2, si c'est des trucs alliés... Oh non. Voilà. Bien. Ils sont tous ici. Ah putain, bien entendu. Tous les gens qui ont disparu, tout le monde, ils sont coincés dans une sorte de nid. Il y a des œufs, c'est comme une ferme. Regardez. Merde. Fiche le camp de là. Maintenant. L'alien. Oh putain, non. Le courant de la plateforme depuis ses conduits. Bah bien sûr. Me dites pas que je vais devoir affronter des facehuggers. Genre, les esquiver et tout. Bien sûr. On pouvait pas avoir expulsé l'alien comme ça à la moitié du jeu. Il y en a d'autres, les petits amis. C'était obligé. Ah, je dois avouer que j'ai été un petit peu naïf et je dois avouer que pendant un moment, j'ai pensé qu'on en avait terminé. Mais là, oh là là, regardez-moi cette vision d'horreur. What? Eh, dégage. Je suis mort. Ah ouais. Ah, c'est le one shot. Ah oui, d'accord. Ok, donc les facehuggers. Donc il y a vraiment des putains de facehuggers. Eh, je disais ça pour rigoler, moi. Hein. Donc il y a vraiment des facehuggers. Ok. Bon, bah on va y aller au pistolet. Et on va essayer de viser correctement. Et merde! Oh non, mais alors ça, je vais pas aimer. Je suis super mauvais, moi. Ok, il est là. Ok. Oh là là, alors ça, je vais gaspiller tellement de balles avec ça. Attendez, je viens de perdre. Je viens de perdre 6 balles, là, ou c'est moi, là? En rechargeant, là, j'ai perdu des balles, non? J'ai pas fait gaffe. Je crois que je viens de perdre plein de balles. Je suis ultra deg. Oh non, le lance-flamme. Ouais, bon, ça veut dire... D'ici quelques minutes, alien. Bien entendu. Ok, je sais pas trop ce que j'ai fait. Non. Reprends-le. Non, pas le fusil à pompe. Non, pas le pistolet. Non. Oui. Oh, diablerie, putain, j'aime pas ça. Non, quoi? Non, stop. Moi, j'aimerais bien les cramer, mais le truc, c'est que s'il y a un alien dans pas longtemps, je risque de plus avoir de carburant. Et alors, à ce moment-là, je l'aurai dans le cul. D'autant qu'il est probable... que ça ne les brûle pas parce qu'ils sont dans l'eau à moitié là, donc okay, je sais pas trop ce que je fais là en fait. J'ai absolument pas écouté. Surchargé le noyau alpha. Ok, ah non, bêta raté. Bon, on est une chance sur deux. Ok. Oh, j'allais dire que c'est quoi, il faut que j'active un truc, mais non, on va peut-être pas trop s'approcher. Ça a l'air joli. Je devrais peut-être pas rester là, non? Ça veut dire que ça va exploser, non? Surchargé. Attendez, il y a une issue ici? Non. Ouais, je devrais peut-être pas rester. Ouais, mais je suis curieux quand même. Très joli.
C'est vraiment super joli, hein. Non mais franchement... Honnêtement. Je veux bien... Ah, je peux fouiller les cadavres. Ouais, j'allais dire un truc super cool et je parie sur un vieux cadavre. Honnêtement. On peut dire ce qu'on veut, mais... Y a pas beaucoup de jeux, là, ces derniers temps. C'est pas bon du tout. Qui sont... Oh non. Qui sont aussi bien réalisés techniquement. Là, un truc ultra fluide. Je viens de cracher sur mon PC, c'est un truc de malade. Je sais pas si vous allez le voir. Dans quel cas, ce sera ridicule pour moi, mais... Les mecs, ils ont réalisé un truc qui techniquement est juste parfait, parce que ça tourne merveilleusement bien. Et qui est mille fois plus joli que des jeux qui sortent là et qui se veulent un petit peu classe, quoi. Donc là, franchement, c'est vraiment le respect le plus total. Je vois des points de détection de partout sur mon écran. Je sais pas si le détecteur détecte les facehuggers. Si oui, ça veut dire qu'ils sont soit sous l'eau, soit au plafond, soit je ne sais où. Et... ça m'emmerde un petit peu. Ah, lui, combien qu'il va? Ok, je peux mettre fin au délire direct. Genre, bim, fin du game. Ah, merde. Ça m'a fait perdre de la vie, ces conneries, en plus. Attendez. Là, je suis accroupi, là, on est d'accord. Eh ben, bah, relève-toi. Non! Ok, j'ai cramé tes petits, t'es un peu vénère, mais tranquille. Ok. Pourquoi je suis venu là? Ah, pour absolument rien, en fait. Ok, ça servait à rien. J'aimerais bien qu'il se relève, je sais pas pourquoi il était baissé. Non mais hey, sans déconner, ça a servi à rien que j'ai initié. Attendez, mais il me dit d'aller là. Mais ah, il y a un truc ici, putain, j'avais pas vu. Quoi? Non, tu t'en vas. Calme-toi. Attends, je repère tout là. Ah voilà, c'est là que je dois aller. Allez, Ripley, fais des efforts. Voilà. Sois gentil. Alors par contre, autant les conduits du vaisseau. Pas de problème. Autant ceux-là... Je pense que vous ne trouveriez pas trop surprenant que je vous dise que... je leur fais pas trop confiance. Donc, voilà. Dégage. Dégage. Toi avec ta progéniture de l'enfer, dégage. Où doit aller, là? Ça va? Il y a des points de partout sur mon radar, c'est juste l'horreur. Je comprends en fait pourquoi il m'a mis à mort du lance-flamme. Ouais, dégage. Et oh, tu pars, oui? Tu t'en vas. Quoi? Mais non! Il y en avait deux! Bon. On est... de retour ici. Alors, bon, on va essayer de la jouer plus fine. Constaterez que j'arrive plus à parler déjà. Et que j'ai réussi à conserver tout mon carburant de lance-flamme. Donc on va leur mettre bien dans la gueule. Alors par contre, non, reste avec le lance-flamme sorti. Non, reste avec le lance-flamme sorti, je te dis. Ok, ça les brûle malgré le fait qu'ils soient dans la flotte. Hein. Ça déjà, c'est bon à savoir. Quoi? Non, il est là. Va-t'en. Tu pars. J'ai dit tu pars. Tu veux le feu? Tu veux le feu? Ah ouais, toi t'es un mec comme ça. Voilà, tu pars, c'est bien. Non mais faut les dresser, hein. Il y a un moment où... s'il n'y a plus de respect, il n'y a plus de respect. Oh putain, il y en a un. Toi tu pars. C'est bien. C'est bien, t'es gentil. On va sauvegarder. On va pas prendre trop confiance non plus. On va sauvegarder. Voilà. Et puis,
On va activer le tout bousin. Alors attendez, cela dit, je suppose que voilà. Je dois activer une petite console comme pour l'autre. Oh, pas de courant, et merde. Ok, ça veut dire qu'il y a un truc à activer quelque part. Par là. Sors le lance-flamme. Tu veux le feu? Tu veux le feu? Tu vas te prendre le feu. Tu vas te prendre le feu. Voilà. Ah non, mais... Non. Toi, tu te calmes. Ok. Je te stoppe direct. Alors, attendez, il va exploser, le con. Allez, il va faire... Et il va péter. Voilà. On va éviter de se tuer là-dessus, ce serait dommage. Et c'est quoi le délire? Faut pas que j'active ça? Genre, attendez, vraiment, c'est quoi le délire? Ah, bien. Ils sont pas super visibles, ces machins. Encore une fois, le jeu a des petits problèmes de visibilité de ses objectifs. Mais c'est pas grave. Et on avance quand même, donc c'est ça l'important. Hop. Rétablir le courant. Eh ben allez. Moi je dis oui, monsieur. Moi je dis oui. Hop. Finalement, semblerait qu'on ait assez de lance-flammes. Quoi c'est dire là, il a popé où là? Il y a dû popper quelque part en face, je suppose. Mais... Je me demande s'ils peuvent passer là par le conduit quand même. Oh putain. Reste calme. Oh là là! Non, je t'ai brûlé! Je t'ai brûlé! Là, t'es pas aimable. Là, t'es pas raisonnable. Bon, d'accord, j'ai un peu merdé. Mais là, c'était pas raisonnable. Alors, est-ce que c'était pas raisonnable de ma part, de sa part? On sait pas. Quoi? Il est sorti où, là? Ah ouais. Allez, pars. Voilà. Je me laisse aller brûler, à rétablir le courant. Ensuite, je reviens, je te mets un coup de feu. Ensuite, j'active le truc. Je te remets un coup de feu, possiblement. Et puis voilà, et tout le monde y trouve son compte. Enfin, surtout moi, mais... n'est-ce pas ce qui compte finalement? Une dernière fois. Allez. Okay, je crois qu'il est rentré. Oh non, il est pas rentré du tout! Non mais vous voyez! Il était pas rentré du tout dans son tuyau, le machin. Ah, il s'est foutu un peu de ma gueule. Déclencher le mécanisme de verrou. Ah merde, c'est là, oui. Eh bah oui, vas-y. Déverrouille le bordel. Ah, je crois qu'il faut activer celui-là en premier, ouais, c'est ça. Hop. Ensuite, hop. Hop. Et hop. Et là, on a un... Oh merde. Non. C'est pas ce que je voulais faire. Putain. C'est quoi ça? Ah, tout ça pour ça, merde. Ça fail? Non, c'est bon, ça va s'activer. Par où je dois aller, moi? Me barrer par là. Allez, vas-y. Je sais pas où il est. Il me course! Il me course! Oh! Oh! Putain, j'avais pas vu! Non! Et j'ai pas sauvegardé, non! Oh, t'es sérieux là? Oh non, mais vous! Bon, rassurez-vous. J'ai sauvegardé juste après avoir fait la manip. Bon, ok. J'ai compris. Donc passer en dessous du tuyau, pas bonne idée. On va éviter de passer en dessous du tuyau. Là il y a une saloperie. Donc je la crame. Et ensuite je suis le machin. Là il y a encore un tuyau. Je déteste les facehuggers parce que je ne les vois pas.
Ok, et là c'est tout petit. Ok, j'ai encore loupé un tuyau, c'est ça? Ouais. Non, ok, pas du tout. Attendez, si. What? Attendez, non? Ah, là! Pff, juste à côté, bordel! Et moi j'essayais d'aller dans tout petit truc qui servait à rien. Ok, les facehuggers peuvent aller dans les conduits. Note pour plus tard. Ah! Saloperie, putain! C'est dégueulasse! Ok, tout de suite, faut aller par là. Ok, qu'est-ce que je dois... The fuck? Mon pistolet à clous. On va sauvegarder. Parce que... Non. Me fais pas ce coup-là. Me fais pas ce coup-là. Me fais pas ce coup-là. Ok, non, ça va. Ouais, ouais, bah je sais que tu m'as vu, je sais, viens, viens. Ça m'empêchera pas de te cramer. Hein. T'as pas chaud? T'as pas chaud? Ouais, va te rafraîchir. T'as pas chaud? Là, t'as pas chaud un peu? Et là, si je fais ça, t'as pas chaud? T'as pas chaud? Il t'a pas chaud. Calme-toi. Voilà. Ok, c'est par là que je dois aller donc. Ok, toujours attention au facehugger. Plein de carburant. Moi, écoutez, je prends. Et puis on repart, hein. Allez, on fait comme ça. Bon! Mon détecteur a décidé de péter un câble, là, c'est, tout va bien. Ok! Les petits amis! On va se laisser là. Je peux détruire le nid. Ripley, t'as assez risqué ta vie pour aujourd'hui. Je peux allumer tous les noyaux, les surcharger et lancer la purge du réacteur. Ça détruira tout ce qui se trouve à proximité. J'essaie pas de te faire changer d'avis, Rip. J'aimerais juste que tu t'en sortes indemne. Voilà ce qui va se passer. Des circuits de surcharge d'urgence envoient l'excès d'électricité dans les batteries du condensateur local de chaque tour. Si je les découple et décharge le système, l'évacuation sera externe. Le nid sera en plein dedans. J'ai rien compris à ce que tu viens de dire. Trouve juste un truc où t'accrocher. Ok les petits amis, eh bien écoutez, les pulsions destructrices de Ripley, ce sera pour la prochaine fois. Nous on va se laisser là pour le moment. Je vous dis salut à tous, très bonne continuation. D'ici là, portez-vous bien. Et puis, on a eu chaud. Enfin on est mort plein de fois, mais on a eu quand même un peu chaud dans le sens où j'ai utilisé le lance-flamme.